tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux, les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation, les complots d'État. Bob vous dit toute la vérité. Du lundi au vendredi, 21h minuit. Adepte de la vérité, disciple de la liberté, salut à tous. C'est toujours un plaisir incommensurable pour moi de vous retrouver sur la première et unique web radio par abonnement consacrée à des sujets que je suis très souvent le seul à aborder avec autant de sincérité et d'honnêteté, celle de mes invités. Parmi vous, certains ne me connaissent pas encore. Eh bien, si vous faites partie des nouveaux, bienvenue. Toutefois, je préfère prévenir ici plus de dogmes, qu'ils soient scientifiques, religieux ou politiques. Ici, je vous propose un autre regard sur la vie, la mort, l'univers. En clair, le mystérieux. C'est bien pour ça que si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez mille fois. Vous en avez assez que l'on vous prenne pour des moutons. Alors, souscrivez à l'offre premium Bob vous dit toute la vérité. Renseignements et souscriptions sur bob-toutelavérité.fr. À l'affiche ce soir, en son et en image, en clair, web radio et web TV, à 23h, un entretien avec Minanda, une conscience extraterrestre dans un corps humain, c'est comme ça qu'elle se définit. À 22h, Eric Surcouf, un chasseur de trésors sous-marins. Et pour commencer, place à Dominique Youngblood. C'est le trésor le plus prodigieux qui ait jamais existé. Il était une fois un homme qui disait toute la vérité, rien que la vérité. Il a voyagé à travers tous les continents pour ne plus jamais réapparaître. Bob est sur le net. Dominique Youngblood, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ben comme d'hab, Bob. Bon, ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour évoquer, eh bien, encore et toujours, ce mystère incroyable que tu découvres, que tu déchiffres de plus en plus, les pyramides de Bosnie. Alors, pour ceux qui arriveraient peut-être pour la première fois, je le dis, il y en a chaque jour de plus en plus qui s'abonnent à cette web radio. Les pyramides de Bosnie, quand est-ce qu'on les a découvertes? Quand est-ce qu'on les a, on a commencé à les regarder et toi, à partir de quand tu t'es intéressé à tout cela? Ah ben en fait, si tu veux, c'est pas moi qui me suis intéressé en premier aux pyramides de Bosnie, c'est en fait Semir Osman Hadžić. Donc Semir Osman Hadžić était en fait tout autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. C'était un chef d'entreprise bosnien et américain qui un jour est retourné dans son pays par tourisme pur et s'est retrouvé sur une petite route où tout d'un coup il a aperçu des formes particulièrement géométriques qui l'ont troublé. Ces formes géométriques, c'était des pyramides. Ces pyramides, il a voulu les vérifier de près et il a lancé des travaux sur ses fonds personnels dès 2005. Moi, j'ai fait sa connaissance, en fait, à partir de 2007-2008, où on a commencé d'abord, dans un premier temps, à converser énormément par Internet, à s'envoyer toute une série d'infos, à se parler par un truc qui n'existe plus aujourd'hui, qui est Messenger. Oui, MSN Messenger. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, il est vieux. En fait. Ça le marque dans le temps, Dominique. Voilà, mais de toute façon, j'ai 56 ans bientôt, les gars, donc je ne vais, pas me rajeunir. Il y a un truc qui est bien, c'est que je ne vais pas te rattraper. Tu auras toujours un peu d'avance sur moi. Donc, si tu veux, voilà. À partir de là, il y a toujours eu énormément d'informations sur les pyramides de Bosnie, du vrai, du faux, de l'intox. Personne ne savait vraiment. Personne ne savait vraiment jusqu'à le mois d'août dernier, où à un moment donné, j'ai dit, écoutez les gars, il n'y a qu'un moyen de savoir si c'est du vrai, si c'est du faux, c'est d'y aller. C'est d'y aller, c'est de voir. Alors tu sais très bien qu'on est passé par l'Italie. J'ai eu des bons et des mauvais. Il y a des gens qui m'ont remercié de leur avoir prouvé que les pyramides de Montevecchia, c'était du flan complet. D'autres m'ont carrément insulté en disant que je détruisais leurs rêves. Je leur dis, je suis désolé, mais bon, face à la vérité. Et puis tu le sais très bien, ici, c'est pour dire toute la vérité. Exactement. Donc, je ne viens pas ici pour sortir des conneries, quoi. À partir de là, on est arrivé là-bas en Bosnie. Effectivement, on a vu des choses qui, à mon avis, ont été un peu exagérées. Certaines, à mon avis, franchement imaginé. Mais au milieu de tout ça, on a découvert des choses. En tout cas, c'est surtout moi, parce que je pense pas que mon équipe elle-même, puisque j'avais... Il y a des gens qui ont fait courir le bruit que j'avais avec moi une équipe d'experts. J'avais pas d'équipe d'experts, j'avais simplement une équipe de personnes qui ont décidé de venir voir les pyramides avec moi et avec qui j'avais un deal. Ce deal, c'était tout simplement de me filer un coup de main sur le travail qu'il y avait à faire là-bas. C'était des accompagnants, quoi, pas les experts. Voilà, c'était des accompagnants plus que des experts. C'était quand même... Il y avait quelques personnes qui avaient quelques compétences, mais ils ont pas eu l'occasion, ça allait trop vite. On avait à peine 4 jours. Ça allait trop vite pour qu'ils puissent véritablement mettre en jeu les compétences de certains, parce que tous n'avaient pas de compétences. Et finalement, bon, j'ai quand même découvert toute une série de choses, peut-être parce que j'ai une expérience dans le domaine des civilisations antédiluviennes, des constructions kyklopéennes, etc. Et si tu veux, tout ça, ça m'a interpellé. Ce qui m'a interpellé là-bas,
C'est évidemment la pyramide de Bosnie, la pyramide du soleil de Bosnie, puisque la première des choses vers lesquelles, si tu veux, j'étais assez sceptique, c'était l'histoire des fréquences ultrasons qui étaient émises par la pyramide. Alors on va en écouter, bien sûr, hein, durant alors, la conversation. Alors il faut que tu saches, tu te rappelles qu'on avait diffusé un fichier MP3 d'une expédition russe qui avait donné ce son, donc j'ai été vérifié si c'était vrai ou faux. On va le réécouter, ce son, justement, dans quelques instants. Voilà, le son des Russes, voilà. Ouais, et ensuite, évidemment, j'ai moi-même pris des mesures et je me suis rendu compte que, ben non, c'était pas du flanc, c'est réel. Cette pyramide émet des fréquences. Alors, c'est un son qu'on enregistre pas avec son magnétophone, hein, avec un appareil à ultrasons, c'est voilà, ça? Voilà, c'est vrai qu'un appareil à ultrasons. Alors là aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, mais il a pas travaillé comme un expert parce que il a utilisé un appareil pour détecter les sons de chauves-souris. Ben, je suis désolé, mais les ultrasons, il y a que le matériel pour aller chercher les chauves-souris. Si tu veux les enregistrer, les ultrasons, hein, il n'existe pas un appareil de folie. Faut arrêter de regarder Stargate, les gars, hein, et revenir dans la réalité. Ouais. Voilà. Donc, par contre, ce qui est important de savoir, c'est que le son que tu vas entendre ne sera pas exactement le même que le son enregistré par le russe, tout simplement parce qu'il y a des différences dans l'enregistrement. C'est l'enregistreur lui-même, d'accord, l'instrument, qui donne des différences de son. Mais par contre, on a détecté des choses qu'eux-mêmes n'avaient pas trouvées. Alors, on rappelle que ce son, il est émis en continu, hein, c'est ça? Il est émis en continu, et je peux te dire que dans le rapport que j'ai remis à toute une série d'institutions et même à d'autres qui ne sont pas forcément des institutions scientifiques. Par exemple, j'ai envoyé ce dossier à la présidence de la République, tout simplement pour dire, vous réalisez, monsieur le président, que depuis 2005, on sait qu'il y a des pyramides en Bosnie, et depuis 2005, il n'y a pas une équipe française scientifique qui est allée voir, au moins que ça soit vrai ou faux. Est-ce que au moins ça, quoi. Est-ce que tu avais un bonnet rouge quand tu as envoyé ce mot? Parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui sont tendus. Oui, non, mais là, je pense qu'en ce moment, il est très sensible, donc on va peut-être écouter, mais comme je sais qu'il n'a pas de rond, il n'y a pas de chance qu'on ait un jour une subvention à Nord-Sud Institut. Bon. Donc, il ne t'a pas répondu, en tout cas, nous, tu as parlé du son enregistré par les Russes. Attends, il ne m'a pas encore répondu. Ouais, il va le faire. Hein, François, vas-y. Dans tous les cas, on va écouter le son, le premier en fait, le son enregistré par les Russes sur une certaine fréquence. Écoute. Donc nous, on a essayé à un moment donné, tu sais, de le décrypter, de le ralentir, etc. Donc il faut vraiment du matériel très, très professionnel et très vraiment précis pour pouvoir détecter tout cela. Et finalement, tu t'es aperçu que le son, il avait cette sonorité sur un enregistreur et une autre sonorité sur un autre enregistreur, c'est tout ça? Tout à fait, d'autant plus qu'il peut encore changer de tonalité à partir du moment où il est traité. C'est-à-dire on le débarrasse de tous les parasites, les harmoniques, etc. pour ne sortir que le son pur. Donc en fait, c'est pour ça que vous entendrez les sons qui ne sont pas forcément dans la même sonorité, si tu veux. Mais ça ne change rien, à savoir que par exemple, lorsque j'ai été enregistré le son de la pyramide bosniaque, on nous avait dit que les Russes l'avaient situé à 28 kHz, et moi je l'ai trouvé à 27,4. D'accord. On est à 0,6, quoi. D'accord. Donc non, mais peut-être que leur appareil n'était pas assez précis, qu'ils ont peut-être été gênés. Il y a beaucoup d'éléments là-dessus qui peuvent gêner, beaucoup de masses de métal là-bas, surtout au sommet, puisque c'était un ancien fort fortifié pendant la guerre de Bosnie. Donc, et si tu veux, moi j'ai trouvé quand même quelque chose de tout aussi étonnant, à savoir que tu vas entendre ce son de la pyramide du soleil. On y entend répétitivement une séquence. Et cette séquence prouve quand même déjà qu'il n'y a pas un côté naturel. Ouais. Parce que si tu veux... Alors, ça, en plus, ça a été appuyé par l'équipe. Moi, je balance des noms, là. Ouais. Je balance des noms. Alors, par exemple, pour le son, j'ai essayé de contacter, évidemment, Stéphane Puissant, qui est un des spécialistes en orthoptères, c'est-à-dire cigales, grillons et autres criquets. J'ai pas réussi à le joindre, mais j'ai réussi à joindre bien mieux Michel Barateau, à qui j'ai soumis le plus grand spécialiste. C'est lui qui forme aujourd'hui les naturalistes en France. Donc je lui ai dit, voilà, je t'envoie les éléments, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être naturel? On a discuté, j'ai discuté aussi sur un forum de l'ONEM, qui est l'observatoire naturaliste de l'écosystème méditerranéen. Je me suis branché avec toute une série, si tu veux, d'organismes et d'instituts. J'ai demandé au CETI de me filer un coup de main, donc... comme il pouvait pas me filer un coup de main de manière assez officielle, parce qu'on était sur du tendancieux, évidemment, ils m'ont quand même donné les bonnes indications sur les bons logiciels pour faire le traitement du son et la méthodologie pour la faire. Et c'est comme ça que nous avons obtenu les sons que vous allez entendre tout à l'heure. Alors, justement, on va y aller directement, puisque tu nous as mis l'eau à la bouche. La pyramide du soleil, ce sont des ultrasons qui ont été enregistrés. Écoutez.
Alors, c'est assez marrant parce que on comme a... tu peux le voir, une séquence parfaitement répétitive. Voilà, c'est ça. C'est quand on a un son et tout d'un coup, on a un son plus lourd qui arrive toutes les 15 secondes à peu près. Mais non, pas toutes les 15 secondes. Ouais. Toutes les 15 secondes. Exactement. Voilà. C'est très important. Ouais. Comprends que si l'onde ultrason était naturelle, elle subirait des fluctuations liées à son environnement. J'ai quand même l'avantage d'avoir discuté longtemps avec des spécialistes en acoustique, c'est que j'en ai appris un peu quand même. Donc, si tu veux. Ça ne peut pas être des grillons, quoi. Mais ça, c'est clair. Alors là, de toute façon, Michel Barato a été extrêmement simple. Grillons, cigales et autres ne peuvent pas émettre au-delà de 15 kHz. Mmh, donc, on est dans les 27,4, rappelle-toi. Au niveau des chauves-souris, c'est impossible. Il n'y a qu'une seule chauve-souris qui entre dans... Deux chauves-souris qui entrent dans le spectre des 27 kHz. Sauf que le son d'une chauve-souris, c'est un son aigu immédiatement et qui va en déclinant. Nous n'avons pas un son régulier. Et Michel Barato et Alain Guillaume du CNRS ont été tous les deux parfaitement affirmatifs. Oui. Une fréquence ultrason continue, ça n'existe pas dans la nature. Aucun animal ne peut émettre un son de manière continue, incessant, sans arrêt. Oui, parce que là, le son, il ne s'arrête jamais. Jamais. D'accord. Sans compter, bien sûr, que nous avons toujours deux choses supplémentaires. J'ai mesuré avec un appareil qui s'appelle le Gigahertz, qui est c'est le nom de la marque de l'engin. Son nom, c'est une référence à chiffres, alors je ne l'ai pas leur tenu. J'aurais bien voulu prendre le rapport, mais mon ami m'a dit tu laisses tes papiers dans ta valoche. Donc, au bout du compte, tout ce que je peux te dire, c'est que ce détecteur de fréquence électromagnétique a quand même repéré une onde électromagnétique, donc une onde lumineuse, qui n'est pas une onde sonore. Ah, carrément. L'onde électromagnétique, elle est calée sur la même fréquence que l'onde ultrason. C'est quand même ça, encore une fois, une anomalie incroyable. Onde électromagnétique à 27 kHz, onde ultrasonore à 27 kHz, comment tourer l'une dans l'autre, en spirale l'une autour de l'autre. Et un phénomène tout à fait incroyable, c'est que ça pourrait être pulsé à cause de l'onde électromagnétique. C'est une possibilité, mais c'est juste une éventualité, on n'en est pas sûr aujourd'hui. La possibilité qu'en fait, l'augmentation continue de cette fameuse fréquence, plus elle s'éloigne de sa source, plus elle augmentait, tu te souviens? En fait, ça pourrait être le fait qu'elle soit portée par l'onde électromagnétique, d'une certaine manière. Je mets des guillemets à porter. Oui, parce qu'on rappelle que la plupart du temps, une onde, et on le voit en radio par exemple, plus on s'éloigne de l'émetteur, plus le signal est faible. Exactement. Là, c'est le contraire, en fait, c'est ça. L'onde ultrason va en augmentant au fur et à mesure qu'elle s'élève. Et c'est la raison du ballon captif que nous allons emmener dans l'expédition au mois d'avril vient surtout du fait que nous allons installer, évidemment, un détecteur à ultrason sur le ballon, qui va enregistrer en continu et on va faire monter le ballon en altitude jusqu'à 500 mètres. Donc on va avoir des mesures d'intensité qui vont être prises au sommet et du sommet jusqu'à 500 mètres de haut. Mais ça t'inspire, parce que moi quand j'entends ça, Dominique, je me dis que finalement, plus l'onde elle est forte, plus on s'éloigne de la pyramide, plus on est en droit de se demander si finalement c'est pas un signal qui est envoyé du haut vers le bas. Alors une chose qui est certaine, c'est que justement c'est pas un signal qui est reçu, mais c'est un signal qui est émis. C'est encore une énigme. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est la pyramide qui émet le son. C'est pas qu'elle reçoit. Ça peut pas être normal, ça, Dominique, à un moment donné. Quand une onde, elle grandit. Je te rassure. Jusqu'à il y a très peu de temps, on m'a catalogué de fou, de mytho, de ce que tu veux. Et j'ai dit, moi, de toute façon, tant que j'ai pas l'aval d'un certain nombre de centres, d'institutions, moi, je ne me prononce pas. Beaucoup de gens ont râlé parce que j'ai mis du temps à répondre. Tu vois bien qu'entre notre dernière émission maintenant, il s'est passé un certain temps. J'attendais tout simplement des réponses officielles. On s'amuse pas dans ce genre de gag, à moins de vouloir rentrer chez les concurrents. Et donc, le but de l'opération, c'était d'amener du solide, parce que sinon, je me fais sortir par mon ami Bob, n'est-ce pas? Oui, on dit la vérité. On dit que la vérité, ici. Donc, alors le problème, j'ai ramené le truc, et puis maintenant, je confirme, toute une série de scientifiques sont unanimes. On a 90% de chances que ça soit artificiel. Maintenant... Donc ça veut dire qui est derrière? On ne sait pas ce que c'est exactement au niveau artificialité. Il y a encore un certain nombre de réserves en matière d'acoustique et de géologie, puisque une des éventualités qui a été émise par le CNRS notamment, c'est la possibilité qu'en fait, ça soit la montagne elle-même, par sa masse
Elle a une masse impressionnante de quartz dessus. Et cette couverture de béton d'argile pourrait en fait jouer le rôle de chargeur, la couverture béton. Et ça charge le quartz qui, en fait, par sa masse, se serait calé sur une fréquence donnée, celle de 27 kHz. Ouais. Ceci dit, ça explique pas l'onde électromagnétique encore. Ouais. Ça peut expliquer éventuellement l'onde ultrason. Et la raison est telle que les choses sont tellement sérieuses que certaines grandes institutions comme ça ont l'intention éventuellement de détacher du personnel pour venir voir de près, parce que c'est quand même... Ouais. Ils m'ont dit, à défaut d'être artificiel au sens humain... Ouais. Ça pourrait quand même être une singularité particulière qu'on ne retrouve nulle part sur Terre jusqu'à présent. Ça vaut le coup quand même d'aller voir ce truc. Bien sûr, on s'aperçoit souvent, on a fait ici une émission avec Jean-Michel Roux, qui est le réalisateur d'un film qui s'appelle Enquête sur un monde invisible, et puis qui vient de sortir un film, un documentaire sur le Snæfellsjökull. Tu sais, c'est un volcan en Islande. Et en fait, il s'est aperçu lui aussi que ce volcan était source d'énergie, que la pyramide de Gizeh était source d'énergie. Donc on se demande si ce n'est pas des batteries finalement, si elles n'emmagasinent pas toute cette énergie. Mais je vais t'expliquer, moi je pense que si jamais nous... Alors là, on est dans le Stargate complet, mais à l'heure d'aujourd'hui, je dois reconnaître que je ne peux plus l'éviter. Je ne peux pas dire que ce n'est pas possible. Tu as trop mangé, tu ne peux plus l'éviter, en fait. Oui, je ne peux plus l'éviter, c'est ça. Mais déjà, je dois perdre 23 kilos, donc j'ai intérêt si je veux l'éviter. Pour ta prochaine expédition, il faut que tu perdes du poids. Oui, arrête de manger. Non, mais je t'explique. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai demandé à un ami à moi, qui est un radiesthésiste assez balèze, de faire une recherche sur la pyramide pour essayer de trouver des entrées. Parce que jusqu'à présent, tu sais que nous n'avons trouvé aucune entrée sur ces pyramides. Nous les avons géoradarisées, donc on sait qu'il y a des salles, des canalisations, mais personne ne peut les atteindre. Il a trouvé plusieurs entrées dessus, sur des cartes, et il doit maintenant affiner la chose. Donc je lui fais adresser des cartes satellites nettement plus détaillées, qui me coûtent la peau des fesses, je te le dis franchement, mais qui sont nécessaires. Et on va déjà faire vérifier ces entrées supposées par l'équipe de Tim Moon, qui est le chef archéologue en Bosnie, sur les pyramides, au moins pour qu'il les localise. Est-ce que c'est pas devenu un peu Disneyland là-bas ? Parce que ça, c'est ce qu'on reproche à Semir un peu, d'avoir organisé tout un business touristique autour de ces pyramides de Bosnie. Oui, non, mais attends, on peut pas l'éviter, ça, d'un autre côté. C'est un moyen de faire rentrer de l'argent pour continuer la recherche. Si tu veux, moi aussi, je le lui reproché, mais quelque part, je suis un peu dans la même dynamique avec Nord-Sud Institute. J'ai été obligé de créer des séminaires, des activités, des conférences. J'ai toute une activité à Nord-Sud Institute pour faire rentrer de l'argent, parce que les expéditions, personne ne nous les paye. Ouais, c'est ça, personne ne les finance. Il n'y a que voilà. Non, il n'y a pas que moi. Là, depuis quelques temps, j'ai beaucoup d'éditeurs de chez Bob qui me filent un petit coup de main. Merci, Bob. Oui, mais c'est que ton entourage, ce que je veux dire. C'est dans ma sphère, voilà. C'est dans ma sphère. Il y a quelques mécènes, quand même, parce que j'ai vu que tu avais reçu un joli chèque il n'y a pas longtemps. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite, puisque je suis à l'antenne, pour remercier Marc, comme je te l'avais promis, et de toute façon, je le maintiens. Le drone portera ton nom, que tu sois d'accord ou pas d'ailleurs. D'accord. Ok. Donc, pour financer, Semir fait un peu ça, en fait. Si tu veux, le problème, c'est qu'il faut savoir que derrière Semir, il y a aussi tout un groupe d'individus. La Fondation des Pyramides de Bosnie, ce n'est pas Semir. Semir, c'est la vitrine. Derrière, il y a du monde. Le président de la Fondation de Bosnie est un ancien ministre du gouvernement en place. Justement, le gouvernement, il fait quoi ? Le gouvernement bosniaque, il en dit quoi de tout cela ? Parce qu'on a la sensation que tout est fait un peu dans son coin. Il est dans le tango argentin aujourd'hui. Deux pas en avant, un pas en arrière. Tantôt, il te file du fric, tantôt, il t'en file plus. Tantôt, il soutient, tantôt, il soutient plus. Parce que c'est un patrimoine bosniaque, finalement. Oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde ne sait pas si c'est un patrimoine archéologique ou pas. D'accord. Et les détracteurs s'en donnent à cœur joie, non pas parce qu'ils ont raison, forcément, ils peuvent avoir raison, mais pas parce qu'ils ont raison, mais parce que nous sommes dans l'incertitude. Oui, mais à partir du moment où tu ne peux pas confirmer, tu ne peux pas infirmer, tu peux douter. Donc voilà, et en fait, c'est ce que vous faites, vous essayez de découvrir, en fait, Et voilà, nous, le but de l'opération, c'est d'arriver à trouver la solution, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors, comme je l'ai dit, dans la vallée des pyramides, il y a plein de trucs qui sont catalogués monuments, à mon avis, et c'est moi, ça n'engage que moi au niveau de l'impression, par rapport à ma propre expérience, mes propres voyages, ma propre culture, si tu veux, ma propre érudition en matière de civilisation antédiluvienne, pour moi, il y a quand même des monuments, faut un peu forcer le trait, quoi, pour considérer que c'est vraiment des monuments antiques. Par contre, il y a certaines choses qui sont indéniables. Les tunnels de Ravenné, ce qui s'y passe dedans, je l'ai vécu de mes yeux vus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. Le K2 qui me bouffe les piles de mon radiomètre...
Je veux dire, ça, je l'ai vu de mes yeux vus, quoi. Mmh. Tu vois. Il y a une nouvelle expédition donc en avril, EPR2, parce que la première avait été baptisée EPR1. C'est surtout qu'elle avait été inachevée et qu'on s'est rendu très vite compte qu'en 4 jours, on allait pouvoir voir un certain nombre de monuments si on voulait jouer les touristes, mais si on voulait jouer les explorateurs, c'était insuffisant. On part pour 14 jours. D'accord. Et, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 14 jours ? Là, tu vas reprendre le... je vais sortir une évidence. Hein. Ouais. On va simplement faire tout ce qu'on n'a pas fait dans la première, quoi. Donc, en sachant maintenant que comme on a des informations grâce à des organismes scientifiques et des spécialistes éclairés, c'est le moins qu'on puisse dire, il est évident que ce qu'on comptait faire dans l'EPR2 il y a 6 mois, ça n'a plus aucune valeur, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on veut faire. On a aussi des demandes de ces organismes qui disent « Écoutez, nous, on vous suit, on est même prêt à vous donner un peu de pognon, mais il va falloir que vous essayiez de faire certaines expériences qu'on va vous demander de faire. » Justement, on vous laisse tout faire là-bas ? Alors, l'avantage, c'est que je peux te dire que Semir Osmanagic et la Fondation pour les pyramides de Bosnie, qui s'appelle en fait le parc archéologique 2. Pyramide de Bosnie du Soleil, pyramide bosniaque du Soleil, nous ont toujours donné le plein accès à tout. On est allé partout, on a pu voir tout ce qu'on voulait, on n'a jamais été emmerdé par quoi que ce soit. En même temps, je te rappelle que Semir Osmanagic et moi, on est dans une relation amicale, et que son objectif à lui, c'est pas tellement de freiner, si tu veux, mes explorations. Donc, Non, parce que si jamais tu découvres des choses, c'est bon pour lui aussi. Ah ben, t'as tout compris, Après, c'est vrai que ce qui l'inquiète le plus, c'est que je découvre des choses qui puissent être de valeur archéologique intéressante, mais qui n'auront pas forcément une valeur commerciale intéressante. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr, la fondation des pyramides de Bosnie, c'est un budget d'en gros 70 000 euros par an. C'est pas énorme. Et même en Bosnie, 70 000 euros, tu doubles à peu près, pour la valeur marchande, ça te fait 140 000 euros. Mais pour faire tourner une structure qui tient, qui gère une vallée de 32 km², c'est pas évident, quoi. Donc c'est clair, ils ont créé des boutiques, ils ont créé un certain nombre de choses. C'est certain que forcément, on jure à l'hérésie, quoi. Voilà, parce que tu mélanges archéologie et business. Ouais. Alors, je te propose d'écouter justement le deuxième son, un des sons que tu m'as proposé de diffuser. C'est un son émis par le tumulus de Vratnica Sud, c'est ça ? Alors, le tumulus de Vratnica. Je ne dis peut-être pas bien. Oui, oui. Non. Je ne parle pas le serbe, hein, ou le croate, ou le bosniaque. C'est le bosniaque, oui. Si tu veux. Tumulus de Vratnica. Camarade. Alors, ce qui est intéressant dans ce son, c'est que tu dis que ce sont des fréquences qui sont orientées et guidées. Ça aussi, voilà. c'est quelque chose d'assez incroyable. Oui, mais alors attends, j'ai encore plus fort à te dire après quand on fera la synthèse. Parce que là, tu as entendu la musique de la pyramide du Soleil. Ouais. Tu vas entendre maintenant la musique du tumulus de Vratnica. Ce qui est très important de savoir, c'est que le tumulus de Vratnica est dans un alignement parfait avec la pyramide à 3669 mètres près. D'accord. Donc, que sur ce tumulus, alors un tumulus à l'origine, c'est d'abord un mausolée, c'est un cimetière préhistorique, en général dédié à un chef. Là où ensuite j'ai des doutes. J'aurai mon tumulus, moi, jour. On te fera le mausolée d'Achille. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai exploré ce tumulus et je n'ai pas trouvé en lui ce qu'on peut trouver sur le tumulus du Dulgrange, par exemple, en Irlande. Il n'est pas construit. C'est plutôt un tertre. Une colline, un amas de terre, si tu veux. Alors après, il faut peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose de planqué dessous, c'est possible. Ça ne veut pas dire que parce que la terre est naturelle, parce que c'est un amas de pierre et de terre, que c'est pour autant quelque chose qui ne peut pas être crédible. D'ailleurs, le simple fait que le tumulus de Vratnica émet des fréquences fait de lui déjà une originalité. Ah oui, complètement. Tu vois ? On va écouter ? Oui, vas-y. Allez. Un truc incroyable, c'est la périodicité du bruit. Quoi, Te le dire très clairement, j'ai reçu hier soir justement d'Alain Guio, ce grand spécialiste avec lequel on travaille sur la question pour se dire, bon Dieu, c'est quoi ce truc-là ? Une confirmation, un email que j'adresserai d'ailleurs à la radio, vous pourrez même mettre sur la page Facebook et compagnie. Je vais quand même demander à Alain l'autorisation de le faire, bien que en principe, je pense qu'il n'y aura pas de problème, puisque maintenant qu'on les a de notre côté, on ne risque pas de se faire couper en deux. Mais où justement, il dit, franchement,
ce son n'est pas naturel. Il le confirme lui, c'est un des plus grands acousticiens français. Quoi. Je veux dire, si lui, qui est spécialiste des sons, dit ça, c'est pas possible que ça soit un truc naturel, il y a une vraie question qui se pose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux fréquences ultrasons, alors que celle de la pyramide est carrément à la verticale, hein, elle tire à 90 degrés droit vers le ciel. Ouais. Les deux autres sont orientées, en fait. C'est-à-dire qu'elles tirent mais dans une direction donnée. Ah, il faut toujours tirer dans une direction donnée. Ouais, oui. Et dans la bonne, parce que sinon, tu peux te tromper, dans la bonne, mais c'est dramatique. Alors, l'une s'envoie directement sur le nord, contrôlée avec une boussole Landsatique, c'est-à-dire une boussole de grande précision. Ouais. Elle émet au nord avec aucun degré d'écart. Aucun degré d'écart. Elle est calée sur le nord magnétique, sans degré d'écart. Il y a quoi au nord ? Alors, il y a plein de montagnes et de trucs qu'on n'a pas encore explorés. Très sincèrement. Il y a peut-être un récepteur, tu vois ce que je veux dire, Ah non, je pense mieux, moi, La deuxième, elle émet plein sud, et je l'ai dit, mais je ne pourrais pas le diffuser, désolé les auditeurs, parce que pour l'instant, je n'en ai pas l'autorisation de le faire. C'est le fameux bruit de fond qui est calé entre ces deux fréquences, en sachant que la fréquence nord et sud sont en léger décalage d'à peu près un quart de seconde. D'accord. C'est-à-dire que si tu écoutes la deuxième fréquence, tu vas avoir l'impression d'écouter la première, avec une toute petite différence, mais il faut savoir qu'elles ne sont pas séparées comme vous les entendez là, elles sont associées avec un décalage canon d'environ un quart de seconde. Alors, on écoutera, juste après la pause, ce son, et puis on parlera bien sûr du son que tu ne peux pas nous faire écouter parce que tu n'en as pas l'autorisation, mais qu'est-ce qu'il évoque pour toi, d'accord ? Ce soir, bien sûr, jusqu'à 22h, nous sommes avec Dominique Youngblood pour évoquer les pyramides de Bosnie. Dominique Youngblood est avec moi ce soir pour évoquer ces pyramides de Bosnie. C'est une grande découverte, ces pyramides de Bosnie. Beaucoup, bien sûr, de détracteurs, comme d'habitude. Il y a ceux qui sont très sceptiques, parce qu'il faut savoir que ça n'a rien à voir avec une pyramide comme on peut l'imaginer en Égypte. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas des pierres. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que la pyramide de Bosnie, c'est un proto de pyramide. Mmh. C'est-à-dire que c'est probablement les premières pyramides qui ont jamais été créées par l'humanité. D'accord. Donc, avant qu'elles soient même construites en pierre, ma foi, ils ont commencé déjà par terraformer une colline. Mais ce qui est extraordinaire dans cette aventure, ce qui nous fait, je te le dis honnêtement, excusez-moi le public... Bander. Oui, je savais que tu allais le sortir. C'est que nous allons probablement pouvoir pénétrer à l'intérieur. Dès qu'on bande. Et donc, au bout du compte, je compte énormément sur mon ami radiesthésiste pour avoir les bonnes entrées. En fait, c'est ça. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je t'explique. Lui cherche les entrées et je pense qu'il les a trouvées. Nous, on transfère l'information à Semir et à son équipe. Eux chassent l'entrée et la trouvent. Et quand on arrive, on y va. D'accord. Pour te donner une petite idée, deux membres de mon équipe actuellement sont en train de se préparer à une formation en cours méga accélérée de spéléologie, tu vois. Ah oui, donc c'est dangereux, parce que là, quand même, il ne faut pas faire le con avec ça. Ah, mais on ne sait pas, on va pénétrer là-dedans, c'est là où l'aventure, elle est vraie. Si tu veux, pour moi, le PR1 a été une expédition qui a plus été une sorte de gros voyage touristique. C'est ça. Alors que là, on va rentrer dans le dur, quoi. D'accord. Donc, et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit d'ailleurs à un stage de remise en forme. D'où le régime, c'est ça ? Ah oui, mais attends, c'est pas fini. À partir du premier, là, je te dis même pas, je vais vivre un vrai stage commando, quoi. C'est-à-dire qu'il faut plus que tu manges. Et en plus, je paye pour me faire chier, quoi. Mais c'est ça. Voilà. En fait, tu peux plus rien manger, tu peux plus boire, plus rien. Ah non. Je vais suivre tout un régime et tout. Je suis entraîné par une organisation. Une organisation. Je sais plus comment ça s'appelle parce que je l'ai pas retenu. Comme les militaires, quoi, en fait, c'est ça. Ah, complètement. Les gars organisent, en fait, une formation complète d'endurance pour te remettre en forme de la manière la plus violente possible. Tu veux pas emmener Mathieu aussi, parce que comme il arrête pas de manger des viennoiseries, si tu veux. Donc, si tu veux, il a la sensation de gonfler un peu. Donc, je veux pas arrêter, moi, tout ça. Donc, en fait, voilà, donc on se prépare, et moi, je veux bien entendu, j'ai réalisé, si tu veux, à l'EPR1, que j'avais quand même 55 ans au moment où je l'ai faite. Et que mon équipe pouvait monter plus vite aux pyramides que moi-même, qui a été un peu désordre. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. Le grand aventurier, il va arrêter de jouer le mec totalement essoufflé et il va perdre un maximum. Donc depuis le PR1, j'ai perdu 7 kilos, j'en ai encore 23 à perdre, t'imagines un peu, pour pouvoir être en mesure de pouvoir
ne serait-ce qu'assurer oui, c'est ça. Par rapport à l'équipe. Alors, c'est pas pour me mettre en valeur, mais c'est parce que tu comprends bien que je me verrais mal rester dehors pendant que mon équipe découvre. Quoi. Et je te confirme. Ça fait désordre, là. Puis ce serait l'occasion pour toi, surtout si tu es en meilleure forme, de mieux vivre cette expédition. Parce que sinon, tout à fait. Sinon, tu es en souffrance. Alors, la datation, parce qu'on va arrêter de parler de combine, datations. Quand même. Non, mais les datations, c'est bien simple. Si tu veux, au niveau du radiocarbone, et j'ai donné d'ailleurs le dossier complet, vous avez la copie à... Bob vous dit toute la vérité. Donc je pense que j'attends juste deux confirmations et je vous donnerai même l'autorisation de mettre le rapport en ligne. Ah, j'adorerais parce que j'aimerais bien qu'on le mette sur le site. Donc ça sera une chose que vous pourrez faire. Je vous préviendrai très prochainement. Dedans vous trouverez les copies carrément des certificats de radiocarbone des instituts qui ont fait les études au carbone 14 des pyramides. D'accord. Alors la pyramide de Bosnie, la pyramide du Soleil, 24 800 ans, les gars, confirmé. Ah ouais. La pyramide de la Lune, 10 350 ans. D'accord. Elle n'a pas été construite à la même époque, et d'ailleurs, elle n'a même pas été construite de la même manière. La pyramide de la Lune est construite en spirale et ressemble étrangement à d'autres pyramides que j'avais étudiées, moi, en Espagne, avec mon ami Georgios Dias Montexano, les pyramides de Camas, en Andalousie. D'accord. C'est vraiment un système de spirale. Un tire-bouchon, quoi, en fait, c'est ça. Non, c'est comment de vagues, si tu veux, de vagues successives qui se construisent jusqu'au sommet. Et c'est une pyramide qui n'est pas pointue, quoi. D'accord. Tu vois, c'est une pyramide qui a un sommet tronqué. D'accord. Comme la pyramide du Soleil, d'ailleurs. Sauf que l'espace sur la pyramide du Soleil est plus large, alors que sur celui de la pyramide de la Lune, il est plus court. C'est-à-dire qu'il devait probablement y avoir un autel au-dessus. Maintenant, à vérifier. Hôtel, donc on peut imaginer célébration, sacrifice et tout ce que t'on peut imaginer. On peut absolument tout imaginer, puisque pour l'instant, on ignore qui est le peuple qui a fait ça. Moi, j'ai ma petite idée aujourd'hui. On a la datation, la hauteur, c'est quoi Alors, la hauteur de la pyramide du Soleil, c'est 220 mètres de haut par 70 de côté. D'accord. Et la pyramide de la Lune, c'est 190 mètres de haut. Dans les deux cas de figure, ces deux pyramides sont les plus hautes du monde. Elle dépasse largement Khéops, qui fait 146 mètres de haut. Alors, tu parles de Khéops, donc on se retrouve en Égypte inévitablement. On s'aperçoit en Égypte qu'il y a quelque chose qui ne trompe pas et qui met le doute. C'est en fait que les mathématiques sont partout. C'est-à-dire que tout est au cordeau et que d'un côté, ça fait tant de mètres et de l'autre côté, ça fait tant de mètres. Est-ce que c'est pareil sur la pyramide de Bosnie? Est-ce que c'est aussi nickel? Ah, complètement, complètement. D'accord. Et je peux même te dire que bon, il y a des chipotages aujourd'hui par certaines personnes comme Alan Salt, qui est un des détracteurs de Semir Osmanagic, mais qui est aussi un scientifique dont on ne peut pas nier non plus le savoir, et qui chipote parce que les trois pyramides, je crois que c'est Dragon, Lune et Soleil, sont dans un triangle absolument parfait de 60 degrés, 60 degrés d'angle. Ouais. Alors effectivement, il n'y a pas tout à fait 60 degrés entre les trois angles, mais comme je l'explique, il y a quand même la Terre, excusez-la de bouger, excusez-la d'avoir des séismes, excusez-la depuis 24 800 ans d'avoir probablement bougé, mais quand on est dans du 61-59-58, on ne peut pas vraiment non plus dire qu'il n'y a pas eu une possibilité que ça soit à 60 partout. Oui, c'est ça, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la triangulation est tout à fait crédible. Les pyramides ont été testées au niveau de l'âge, le béton d'argile, à l'heure d'aujourd'hui, l'Institut Polytechnique de Turin, le Centre Géopolymère Français ont tous étudié ça. C'est des noms, c'est des adresses que j'ai mis dans le rapport. Ouais. Je ne suis pas en train de parler en mon nom. Je suis en train de parler au nom de spécialistes à qui j'ai soumis la question et qui m'ont donné la réponse. Voilà, ça c'est pour les détracteurs. Hein, donc voilà. J'ai aussi, non mais en même temps, autre chose, j'ai les rapports de ces gens-là, c'est-à-dire les analyses qu'ils ont fait, les tests qu'ils ont fait. Ce ne sont pas des gens, je veux dire, ce n'est pas des établissements à deux balles qui ont fait ces... S'ils disent quelque chose, c'est parce que c'est vrai. Voilà, bon. Après, je peux comprendre que certains, ça les angoisse de se dire, merde, l'histoire ne s'arrête pas à Sumer, elle va beaucoup plus loin, et que peut-être que la préhistoire est la plus grosse défoutaise qu'on ait jamais imaginée. Mais il va bien falloir, à un moment donné, accepter les évidences, surtout quand elles sont... attesté par des organismes confirmés. Je crois que c'est ça qui fait en sorte que tout le monde freine un peu des deux pieds. C'est toujours la question de la base. Ouais, c'est ça. Quand tu as des références et qu'on te fait péter les références, tu t'angoisses, tu n'as plus de points de repère. Moi, je comprends les gens complètement. Mais en même temps, il faut comprendre que l'homme, s'il a réussi à conquérir toute cette planète, il n'est pas parti sur des certitudes, mais sur l'inconnu. Il faut continuer dans cette trajectoire, même si des fois... Je reconnais que c'est un peu rock and roll, mais
Il n'y a pas le choix. Hein. Alors, je te propose d'écouter le troisième son. Il est émis par le tumulus de Vratnica, Nord, hein, c'est ça. Redis-le mieux que moi, c'est comment oui, on dit ? C'est le tumulus de Vratnica. Voilà. fréquence orientée et guidée. Là, encore une fois, on a écouté les deux premiers sons, celui de la pyramide du Soleil, le premier et son. Et après, émis je te dirai une petite particularité, puisque je t'ai dit, ces trois fréquences ne sont pas si indépendantes que ça. On en parle juste après. Complètement. Hein. Est-ce que tu as entendu le léger petit dérapage qui a fait C'est comme une remise à zéro. Il envoie un signal, tac, et il repart au signal. Un peu comme un disque rayé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on a la sensation que c'est une machine, finalement, qui balance ça. Qui... Alors surtout, on allait parler de ce fameux son que je ne peux pas te donner, et qui est en fait le bruit de fond. Il y a un bruit de fond qui a été dégagé du filtrage de ces deux fréquences. D'accord. Parce que, en fait, les deux fréquences sont donc décalées. Ouais, bruit de fond est mêlé. Il y avait toute une série de parasites. On a dû traiter le son très en profondeur. Mmh. Et il est sorti un son au nanomètre seconde. La séquence est parfaite avec un P majuscule. C'est totalement impossible. Et le bruit qui a été... enregistré, et la raison pour laquelle je ne suis pas autorisé à le diffuser, parce que je ne peux pas le diffuser en disant que des structures comme le CNRS le peuvent le valider, et c'est logique, et je comprends leurs réserves complètement, et la raison pour laquelle il faut aller vérifier, remesurer, revoir, et ça avec des gens de l'établissement, c'est que le son est tellement artificiel que ça en est énorme. Ouais, c'est ça. Si la nouvelle mesure qu'on fera au mois d'avril confirme les mesures qu'on a fait au mois d'août, on est en face d'une machine de technologie antique. Et là, bonjour Stargate, et ce coup-ci, c'est carrément la réalité qui rejoint la fiction, c'est pas l'inverse. Alors justement, voilà, quand on commence à imaginer des machines, etc., etc. Donc toi, ta théorie, c'est quoi en fait ? Et quelle est la théorie de tout le monde d'ailleurs ? Sémir, il dit quoi ? Sémir, il ne sait pas plus que moi, parce que Sémir, c'est pas d'abord, c'est un anthropologue, certes, mais ce n'est pas un spécialiste non plus des civilisations antédiluviennes. Il y a très peu de personnes qui, comme moi, travaillent sur ce domaine, si tu veux. Beaucoup de gens font du surfaçage, mais de la profondeur, il y a très très peu de personnes. Et alors d'aujourd'hui, personne ne le sait, vraiment, qui sait. Moi, simplement, j'ai remarqué trois ou quatre choses. Quand je suis venu dans la vallée des pyramides, j'ai eu un flashback qui m'est revenu deux jours après. C'est que j'avais déjà vu la disposition des trois pyramides quelque part. Ah. Et en fait, j'avais vu cette disposition de pyramides sur une tablette en photo dans un catalogue du musée de Bagdad. D'accord. Mais c'était en 1991. Ouais. Depuis, je te signale que je me suis fait chier pendant une semaine, jour et nuit, à rechercher dans ma base de données cette putain de photo pouvoir la ressortir et la remettre en face du public en disant « ça y est, je sais d'où je l'ai vue ». Attends, cette photo qui était au musée de Bagdad, elle prenait... Non, cette photo est une photo d'une tablette sumérienne. D'accord. Et les premières tablettes sumériennes n'étaient pas uniquement écrites. Ouais. Elles avaient des glyphes dessus. D'accord. Et c'est cette photo, cette tablette, si tu veux, m'a marqué parce qu'elle avait des V inversés posés d'une certaine manière. Donc, qui pouvaient représenter des pyramides. Qui pouvaient représenter ces fameuses pyramides. Ouais. Le problème, c'est que la disposition de ces V était telle que quand moi je suis rentré dans la vallée par où on est rentré, on n'est pas rentré par la route normale, on a pris un petit chemin parce qu'on s'est perdu. Mmh. Et on s'est retrouvé sur une route où, en fait, elles s'étaient en face de nous. Mmh. Et je les ai vues dans la disposition de la tablette, si tu veux. Le problème, c'est que ça ne m'a pas marqué de suite. Je veux dire, je n'ai réalisé ça que deux jours après, tu vois, où ça m'est ressorti. J'ai dit, mais putain, mais c'est une image qui me dit quelque chose, ça. Tu vois, et c'est en fouillant après au retour que j'ai réalisé que j'étais en train de parler d'une tablette sumérienne. Or, tu sais que les Sumériens, c'est un peuple caucasien, non sémitique, non asiatique d'origine. D'accord. Tu vois, c'était même le seul peuple d'ascendance, de genèse caucasienne, au beau milieu du croissant fertile, quoi. D'accord. Donc, ils pouvaient me ressembler, te ressembler, quoi, en fait. Exactement. Et surtout, le truc le plus dingue, c'est qu'ils s'est écrit déjà dans leur propre histoire. Ils viennent d'Europe centrale, si tu veux. C'est pas précisé en Europe centrale, elle n'existait pas l'Europe, mais les éléments qui donnent permettent... De notre région, quoi, en fait, c'est ça. Permettent, non, mais pas de n'importe quelle région. Des Balkans. Donc, si tu veux, des Balkans. Donc, c'est ça le truc le plus important. Le rapport, donc, avec les pyramides de Bosnie.
Voilà, alors en fait, c'est ce que je disais l'autre jour dans l'interview, on est peut-être en face, j'exagère et je fais de l'humour, mais on est peut-être en face de bons baisers de Bosnie, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est quand même énorme, parce que la filiation de Sumer, on ne l'a pas. On pourrait l'avoir. La compréhension des pyramides de Bosnie nous permettrait de comprendre les ziggourats sumériennes et babyloniennes, et nous permettrait en même temps de comprendre mieux la construction des pyramides d'Égypte. Bien sûr. Les proto-pyramides de Bosnie étant le commencement, le brouillon, la finalité étant les pyramides d'Égypte. Tu comprends ? On arriverait à avoir une traçabilité. Tout serait lié, quoi, en fait. Exactement. Voilà. Mais c'est énorme. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Tu t'imagines si la vallée de Visoko était le berceau de la civilisation de Sumer, qu'est-ce que ça aurait comme impact au point de vue touristique, etc. Sémir, il a les deux dents plantées dans la... m'étonnes. Tu vois, Il a déjà imprimé les billets. Alors, Dominique Youngblood, toujours avec moi jusqu'à 22h. Il y a les souterrains aussi. Alors ça, c'est lors de ton premier passage là-bas, tu as voulu plonger, en fait, etc. Mais il y a des souterrains qui sont creusés aussi, on l'imagine. Non, mais en fait, si tu veux, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. J'attendais toute une série de médias qui ne sont pas venus. J'attendais que Sémir, normalement, excuse-moi Sémir, mais là, il faut quand même que je t'égratigne un peu parce que tu m'avais promis toute une série de choses que je n'ai pas vu venir. J'ai une équipe belgo-néerlandaise qui devait débouler avec une caméra Kirlian pour qu'on puisse faire des photographies Kirlian des pyramides et voir ainsi l'énergie libre. Le gars, je l'attends toujours. D'ailleurs, William, quand tu veux, tu viens. C'est quoi un truc Kirlian là, Si tu veux, c'est une caméra particulière qui permet d'enregistrer des faisceaux d'énergie. D'accord. Et qui te permet ainsi de photographier une pyramide en voyant la force pyramidale, l'énergie pyramidale sortir. D'accord. Si on voulait avoir un moyen de visualiser en photographie ces fameuses énergies et ces fameuses fréquences ultrasons électromagnétiques, c'était la caméra qu'il fallait. D'accord. Ça vaut 22 000 euros. Je n'ai pas les moyens de me payer ce genre de jouet. J'avais trouvé un gars qui l'avait, qui habitait à La Haye, là-bas, et qui m'a dit, pas de problème, je viens. Toute l'équipe est avec moi pour dire, on t'attend quand tu veux, quoi. Voilà. Et c'est pareil mais pour il est pas venu, quoi, en fait. Ah non, mais il y a plein de gens qui sont pas venus. On s'est retrouvés comme des cons, et on a ensuite travaillé avec l'équipe de Sémir, mais on avait la moitié de l'expédition qui était déjà foutue en l'air à peine on arrivait. Dis-moi, Dominique, est-ce que tu crois que si jamais... Tu comprends pourquoi maintenant je m'équipe entièrement et je ne veux compter sur personne pour la prochaine, quoi. Mais bien sûr, il faut toujours compter sur soi. C'est la meilleure garantie pour arriver à son but. Mais dis-moi... Mais surtout pour ne pas passer pour un mytho, quoi. Est-ce que tu penses que si jamais tu découvres la réalité, ce que tu supputes, en fait, et si ça... Tout devient réel. Ah non, ça devient fou. Si, non, je vais te dire, au point où on en est. Excuse-moi, vas-y, vas-y. Est-ce que tu penses que tu auras des pressions pour que ça ne sorte pas ? Parce que ça remet en cause tout. Des pressions ? Non, pas de pression. Un beau chèque. Un énorme chèque avec plein de zéros dessus. Parce que je vais te dire si... On va te dire de fermer ta gueule, c'est ça ? Ah non. On va dire combien pour être associé. Je t'explique, s'il y a réellement une machinerie dessous, elle est en train de fonctionner à l'énergie libre. Ouais. Si elle fonctionne à l'énergie libre, elle n'a pas de batterie au lithium, c'est de la préhistoire, ça. C'est le jouet de ton gamin, ça. Non, c'est du lourd, là. C'est un objet qui est capable de fabriquer de l'énergie qui coûte que dalle. Tu t'imagines la portée d'une centrale. Si tu arrives à savoir comment fonctionne cette machine, tu arrives à savoir comment produire de l'énergie libre. Bien sûr. Tu peux dire radio, centrale nucléaire, à charbon et le reste est capable de produire de l'énergie à partir de rien. Et qui ne coûte pas un bal. Et là, tu penses qu'on te fera un chèque pour être associé, mais tu ne penses pas qu'on va essayer de te faire taire. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont tenté de travailler sur l'énergie libre, ben on avait avec Tesla, le premier, on lui a dit, t'es gentil, mais enfin bon, on va un petit peu tourner la tête. Je te rappelle quand même que Tesla était en cours, que là, nous avons, si on arrive, là, on est dans les supputations, mais si on y arrive et qu'on tombe sur une véritable machine, il n'y a plus besoin de se poser la question si on est arrivé ou pas, si on est aux deux tiers. On a la machine et elle fonctionne. Tu la démontes, tu l'analyses, tu remontes le système. Tu peux le remonter, le décliner à volonté. Toi, tu penses que c'est une machine en fait qui est à l'intérieur ? Moi, personnellement, pour l'instant, je ne me prononce pas. Je suis, si tu veux, un cheval. Les bruits sont assez particuliers quand même. Non, mais alors attends. Ils sont réguliers. Quoi, donc, non, mais je vais t'expliquer. Il y a tellement de détracteurs qui ont passé leur vie à dire que je rêve tout debout. Qui m'ont traité de tout. D'ailleurs, arrêtez de m'insulter, je suis ni scientifique ni archéologue, nom de Dieu, ça fait des années que je le dis, putain, lâchez-moi. Je suis un passionné au niveau de l'histoire, je suis un aventurier, c'est-à-dire que moi j'aime bien voyager, j'aime bien prendre des risques.
Non, mais l'écrivain, ça, ça après, c'est le plaisir. Ouais. Mais je veux dire, dans, le, dans la passion pure, si tu veux, mais moi, j'aime voyager, j'aime prendre des risques, j'aime me faire des frayeurs, hein, c'est clair. Hein, c'est, j'aime bien vivre d'adrénaline, sinon je ne serais pas un aventurier. Hein, quand on fait de la chasse au trésor avec Eric, avec Hervé et compagnie, on est dans le, dans le, dans, dans le défi, si tu veux. Mmh, tu vois, mmh. Voilà, bon, c'est tout. Mais c'est presque sportif, plus que scientifique, en quelque sorte. Mmh. Maintenant, c'est vrai que j'ai une grosse culture dans ce domaine et que j'essaie de la mettre au service du public. Et que ce qu'on me reproche, en fait, c'est d'être transparent. Que sur mes pages, je dis ce que je fais. Quand je réussis, je réussis. Quand je me plante, je le dis aussi. Voilà, bon, ça plaît pas à tout le monde. On est presque choisi parfait. Mais non, je suis pas parfait, les gars. Je suis surtout pas Indiana Jones. Non, mais est-ce que justement les gens ne veulent pas absolument que tu aies un résultat? Et quand on est chercheur, aventurier, on peut très bien aussi ne rien trouver. Et ça, ça fait partie de votre boulot aussi. Ah oui, non, mais tout à fait. Ouais. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il y a que dans les films hollywoodiens qu'on trouve à tous les coups des trésors. Ouais, c'est ça. Je veux dire, en réalité, tu peux aussi te manger bien et de plusieurs millions. Je veux dire, où tu vas chercher un trésor, t'emmènes des financiers avec toi qui raquent comme des malades, et tout ce que tu retrouves, c'est trois bouts de ferraille et deux planches. Ouais, c'est ça. Et là, tu leur dis quoi? Vous savez, je suis le grand aventurier, le mec va dire, t'es gentil, mais moi, j'ai foutu 100 briques dans ton histoire. Donc, je veux dire, il faut voir ça. Maintenant, est-ce qu'on est acculé au résultat? Pas vraiment. En tout cas, même si les gens veulent qu'on ait du résultat, nous, on leur dit, on n'a jamais rien garanti. On n'a jamais rien garanti. On garantit jamais rien. On dit simplement, on y va. On a l'honnêteté de vous donner les renseignements que nous-mêmes nous glanons au même moment. Vous avez la vérité en même temps que nous. Et c'est pour ça que je viens parler chez Bob, vous dites toute la vérité. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Maintenant, si on trouve quelque chose, c'est carrément énorme. Je suis d'accord avec toi. Nous avons pratiquement tous les scientifiques qui disent ça ne peut pas être naturel. Je ne peux pas te dire ce que c'est, mais ce n'est certainement pas naturel. C'est clair que ça fait plaisir. En même temps, excuse-moi d'angoisser comme le simple humain que je suis, en me disant, bordel, mais et si jamais? Ça fait 30 ans que je cours après ces trucs-là. Bien ça sûr, fait 30 ans que je cherche une preuve, ça fait 30 ans que j'en trouve pas. Là, je tombe sur la possibilité d'une preuve. C'est quand même captivant. Si je dois jouer un jour Indiana Jones, personnage que je hais particulièrement, tu le sais, c'est maintenant. C'est pour ça qu'on va tenter d'entrer dans la pyramide et de voir s'il y a quelque chose. Pourquoi les autorités ne déclenchent pas des budgets pour ça? Parce que c'est juste assez incroyable, c'est une découverte qui serait fantastique. Ça. Si jamais tu arrives à avoir toutes les réponses aux questions que tu te poses... Ah oui, non mais les dollars tomberont si on trouve. Jusque-là, les gars vont rester très prudents. Le problème, c'est que tu as besoin de dollars avant. Oui, ben ça fait un petit moment que je le dis, mais ouais, bon, à part le public qui me suit, les fans qui me suivent, les sponsors, il y a eu quelques généreux sponsors, et même des industriels hein, qui ont investi beaucoup, notamment sur le PR1. Beaucoup de gens, tous les instruments de radiométrie et tous les éléments m'ont été offerts par PCE Instruments, ce qui est un fabricant allemand d'instruments de mesure de précision. Il n'était pas obligé, le gars, de le faire. Tu vois, donc... maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ben, on a ce ballon à récupérer, on a ce drone à récupérer. Alors justement, on va parler de l'EPR2, parce que qu'est-ce qui va se passer? Drone, ballon, pour aller choper les trucs, comment tu vas travailler? Si tu veux, on avait pas les moyens à l'EPR1 de se payer, et le drone et le ballon, c'était trop cher. Il faut compter environ entre 3 800 et 5 000 euros pour avoir tout ce matériel. Sans compter qu'on ne sera pas autorisé à trimballer des bouteilles de gaz hélium, surtout pas dans un avion, si ça pète, je te dis pas. Donc, on chopera sur place. Oui, on va devoir récupérer sur place. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut finir le travail de l'EPR1, c'est-à-dire on a des tas de mesures à prendre. Par exemple, les enregistrements sur la pyramide, tu l'as entendu, le plus long dure 37 secondes. Les scientifiques qui ont donné leur accord pour travailler avec nous, qui ont dit d'accord, t'es dans l'alternatif et moi je suis dans l'officiel. Alors si tu veux qu'on bosse ensemble, on va bosser à ma manière. Et ils m'ont dit, moi tu comprends, enregistrer le son de la pyramide bosniaque, oui mais tu me fais ça sur 5 minutes. Je veux la preuve que c'est du continu absolu. Parce que 37 secondes, ça prouve rien. Mais 5 minutes, ça fait 360 secondes en son continu, ça sera indéniable. Tu comprends? Donc ils veulent m'astreindre, et ils ont raison, et j'accepte cette astreinte. Elle va dans le bon sens pour tout le monde. Elle va dans le sens de la vérité. Oui, puis elle te permet de ne pas rester dans la supputation et dans le fantasme. On va refaire toutes ces mesures, on va revérifier toute une série de choses qui ont été faites par d'autres, ce qui était déjà le deal de la première, mais dont on n'avait pas le temps en 4 jours de faire ce qu'on va faire en 14. Et puis, on va bien entendu finir le travail qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas faire, puisque le gars qui devait, le parapentiste qui devait faire les sauts en parapente à Montevecchia, c'est au juste s'il y est arrivé, il a fait une rase-motte plutôt qu'un vol au-dessus des pyramides, alors que je comptais sur lui pour pouvoir faire, si tu veux, une photo
aériennes qui prouvaient que le baudrier d'Orion est une invention sur ces pyramides. Et il a fait un petit saut touristique de la pyramide du Soleil. Il a rien filmé de ce qui m'intéressait. Donc en fait, il était là, il était pas là. C'est du pareil au même, quoi. Bon. Tu vois, pour moi. Donc prochaine étape, il a, avril. Il a pas pu intervenir, il a pas pu faire son boulot correctement, quoi. Donc je veux maintenant des choses où on a le plein contrôle. Un drone, on a le plein contrôle. Un ballon, on a le plein contrôle. Donc 14 jours d'expédition en avril, c'est ça? Tout à fait. D'accord. À partir d'avril. Je donne pas la date parce que, comme je te dis, on est plein de gentillesse. On s'attend à peut-être un comité de réception sur place là-bas. D'accord, comme d'habitude. Voilà. Oui, mais quand on va pas se la jouer, rendez-vous à Hockey Corral, quoi. Donc, ouais. Voilà. Alors, plusieurs rendez-vous, toi et moi, vont nous concerner, à savoir que si jamais tu peux nous donner l'autorisation de mettre le rapport en ligne, on le fera, bien sûr, sur le site bob-toutelavérité.fr. Bien sûr, tu nous tiens au courant de l'évolution des choses et tu as, bien sûr, micro ouvert ici pour nous dire toute la vérité, d'accord? Tout à fait. Merci beaucoup, Bob. C'était Dominique Youngblood. Pour souscrire à l'offre premium Bob vous dit toute la vérité et avoir accès au programme chaque jour, plus un accès illimité au podcast de l'émission, cliquez sur l'onglet abonnement web radio sur le site bob-toutelavérité.fr.